Eh bien, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de map. Je suis en compagnie de JB. Salut à toi. Salut à toi et salut à tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de la map. Alors attendez, je vais vous dire le nom. C'est. Putain, il n'y a même pas marqué. C'est quoi? C'est un Berkane? Berken ou Berkheim ou un truc du genre. Cette map ressemble un petit peu dans le même délire que la Hoggenbach parce qu'elle n'est pas très grande, comme vous pouvez voir sur le PDA, mais elle est quand même un peu plus grande que l'autre map. Et c'est pour ça qu'on a bien accroché. Elle a de belles textures de paille et d'herbe également. Donc c'est pour ça qu'on a bien accroché sur cette map. Et du coup, on va faire une carrière suivie sur celle-là. Parce que tout simplement, maintenant qu'on n'a plus la sauvegarde de l'autre, à cause du... Alors je vous mets tout de suite en garde. Si vous avez un serveur, ne mettez pas le John Deere 7810 V2. Parce que systématiquement, quand vous l'achetez, vous sauvegardez votre partie. Et vous quittez le serveur, vous revenez dessus, vous ne trouvez plus le serveur en fait. Il fait crasher les sauvegardes, l'enfoiré. Donc ne le mettez pas, c'est un conseil que je vous donne, tout simplement. Parce que là, on a joué hier soir, on est revenu dessus aujourd'hui et tout, on n'a absolument aucun problème quoi. Donc voilà pourquoi je vous déconseille de mettre ce John Deere. Par contre, en solo, il marche très bien, mais en multi, sur serveur, il vous le fait crasher, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter la map. Donc comme d'habitude, le lien sera dans la description. Et puis tout à l'heure, on va tourner quelques épisodes dessus de carrière suivie. Comme vous pouvez voir, niveau matériel, on a absolument tout, on est tout équipé, hein. On a tout mis en place, on a tout semé, enfin on a tout fait. Donc JB me disait que c'est un corps de ferme qui est vachement pratique et fonctionnel, comme vous pouvez voir. Je suis entièrement d'accord avec lui. Vous avez de la place pour stocker vos machines un petit peu partout, hein, comme vous pouvez voir. Donc ici, vous avez les semences, l'engrais et tout ce qui s'ensuit. Là, vous avez le gasoil également. Ici, vous avez un bâtiment de stockage, hein, tout simplement. Là, c'est pareil. Vous avez, comme vous pouvez voir, possibilité de stocker la paille en vrac, l'ensilage fermenté et l'herbe. Alors ça, c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Donc le silo d'ensilage est ici, il fait 300 tonnes, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, ouais, Ouais, 300 tonnes. 300 tonnes, ouais. Et ici, vous avez un petit bâtiment qui est sympa, c'est-à-dire un bâtiment à paille. Vraiment un vrai bâtiment de stockage de paille. Alors ça, c'est pas mal du tout. Donc là, vous avez le copeau, les betteraves, les patates, hein, tout naturellement. Encore un silo ici. Alors, la particularité de cette map, comme vous allez pouvoir voir, c'est qu'ici vous avez une auge et vous pouvez donner de l'eau. Donc l'eau, vous la cherchez à l'étang, tout simplement. Alors ça, c'est pas mal parce que sur la Hoggenbach, on pouvait pas mettre d'eau, je crois. Hein. Non, puis même sur la map d'origine, déjà à la base, on pouvait pas, quoi, donc. Voilà. Là, sur cette map, on peut. Donc la stabulation, elle est vraiment bien foutue. Le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas la curer. Ça, c'est un petit peu dommage, moi, je trouve. Mais bon, à part ça, sinon dans l'ensemble, la stabulation elle est vraiment bien. Moi personnellement, j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, elle est vraiment bien foutue, puis elle est bien grande, quoi, c'est bien. Ouais, elle est sympathique. Donc là, vous pouvez même voir, vous avez un petit. Merde, vous avez un petit bureau et tout ça. C'est vraiment bien pensé. Moi personnellement, j'aime bien cette stabule. Alors ici, vous avez donc la salle de traite. Vous avez également le stockage de fumée. Vous pouvez voir qu'on commence à en avoir un petit peu. Donc là, vous avez la fosse à lisier. Alors ici, vous avez pour le BGA, vous avez de quoi remplir si vous le souhaitez, hein, tout simplement. Ici, vous avez le silo de stockage de céréales qui est ici. Hein. Voilà. Donc la particularité, enfin moi, c'est ce que j'aime bien sur cette carte personnellement, c'est que tout est regroupé en fait. Les vaches. Bon, par contre, il n'y a pas les poules, je crois. Hein. Ah non, il n'y a pas les poules, bah bon. Non, il n'y a pas les poules, mais après, personnellement, on s'en fout parce que des poules, j'en ai. Même dans FS13, j'en ai jamais fait, je crois. Donc, les poules, moi, franchement, si c'était des poules dans un bâtiment hein, qu'on pourrait faire en batterie et tout, ça serait pas mal. Mais vu que là, c'est des poules, pour moi, les œufs, ça sert à rien. Voilà. Surtout dans farming. Alors, là, vous avez encore un bâtiment de stockage. Donc, là, stockage, vous en avez. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez donc les moutons. Donc là, il y a la palette de laine qui arrive ici. Donc nous, on va stocker les palettes bah, dans le bâtiment juste à côté, tout simplement. Donc là, vous voyez les moutons, le rouge. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui concerne le corps de ferme et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il y a une petite particularité que j'ai peut-être oublié de dire, JB? Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, donc par contre, Il maintenant, semble. je vais juste vous montrer un petit truc. Je vais monter dans le pick-up, vite fait. Voilà.
Je vais juste vous montrer un truc qu'il faut faire attention, parce que moi et JB, combien de fois qu'on s'est fait avoir. Alors attendez voir, on va tourner à droite. Voilà. Les haies que vous voyez, putain, les haies que vous voyez un petit peu partout en fait, vous ne passez pas à travers. Hein. Donc là, pour vous donner un exemple sur ce chemin-là, vous, avec la petite New Holland, vous ne pouvez pas passer avec la barre de coupe accrochée. Hein. Ça, c'est pas possible. Vous laissez tomber. Hein. Bah, regardez, je vous fais un exemple. Voilà. Là, vous voyez, vous coincez très vite. Alors après, par contre, il y a juste quelques endroits où on passe à travers, je crois. Hein. Ouais. Donc par exemple, là, le long du champ de patates. Ici, par exemple, ce type de barrière, vous passez à travers. Voilà. Tout simplement. Combien de points de vente il y a de nouveau JB? Je crois qu'il y en a un, non? Point de vente, il y en a. Oui, il me semble qu'il n'y en a qu'un. Il y a l'élévateur à grains. Il me Ouais. semble qu'il n'y en a qu'un. Il me semble, hein. Ouais. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y en a qu'un. Donc maintenant, je vais vous montrer le concessionnaire, vite fait, histoire que vous le voyez quand même. Alors là, Ah non, il y en a. sur ma droite, vous avez une grande parcelle d'herbe qui est d'origine semée. Donc ça, c'est aussi sympa. Et là, vous avez le concessionnaire, donc il est énorme. Hein. Sans déconner, le concessionnaire, il est monstrueux, quoi. Ah non, il y en a Il y deux a deux, des. Ouais, ouais. il y en a Il y a le deux. magasin agricole et puis l'élévateur à grains. Voilà. Donc là, ce que je vais faire un petit tour de la map pour vous montrer un petit peu le design de cette carte. Donc, oh, là, c'est quoi ça? Ah, ici, c'est une coopérative. Et il y a, ah oui, là je suis con, on est au magasin agricole. Donc là vous avez un point de vente. D'ailleurs on a une forte demande de betteraves là. Donc je tiens quand même un petit peu à féliciter parce que si vous voulez le modeur a marqué que c'est vraiment sa première map qu'il a créée. Et vraiment pour une première map qui est sortie, je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien faite. Bon après c'est sûr qu'il y a quelques bricoles qui pourraient toujours être mieux. Comme par exemple moi les haies je les aurais mis en no collision parce que c'est vrai que des fois quand tu passes même droit avec une machine, des fois tu restes planté en fait. Donc ça c'est vraiment un petit peu l'inconvénient du truc. Mais sinon ça va. Donc là vous avez la scierie. Voilà. Ici vous avez la scierie tout simplement. Maintenant je vais aller vers la laiterie. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore avec JB, c'est est-ce que le lait se vend tout seul ou pas. Ça, on n'a pas encore essayé. Au pire des cas, il y a des cuves à. J'ai vu là sur un site de mode qu'il y avait une cuve à lait qui était sortie. Donc, au pire des cas, on essaiera et on verra déjà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, là, vous avez la laiterie qui se trouve juste là-bas, comme vous pouvez la voir. Ici, vous avez la. Ben, juste là, à ma gauche, vous avez la jardinerie. Hein. Non, attends, là. Non. Ouais, voilà. Jardinerie. Donc là, on passe dans un village. J'ai pas vu ça. Donc toutes les maisons, c'est les mêmes, mais j'aime bien ce style de maison, moi, en fait. Ah ouais, c'est quoi ça? Betterave et patates. Ah, Le pour point de vendre? vente, ouais. J'ai pas fait attention. Là, ça doit être les betteraves, apparemment, vu la texture. Ouais, c'est vrai. Et à l'intérieur, il a mis des tapis de patates. Ah voilà, ouais, un petit peu comme sur la haie des Newtons, en fait. Ouais. C'était à peu près pareil. Ouais, donc ça c'est sympa, franchement. Donc ici on sait que il n'y a pas vraiment marqué si c'est un point de vente ou pas. Bon, on essayera quand on fera les betteraves, hein, tout simplement. On essayera ça. Je vais continuer de faire le tour de la map vite fait. Allez, c'est parti. Donc les parcelles sont. Il y a quand même des belles parcelles, faut dire ce qui est. Ah, donc je vais vous montrer un truc important. Pour chercher de l'eau, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Tout simplement, comme ça vous vous ferez pas avoir et n'y allez pas avec le 4x4 et la cuve à eau parce que hier j'en ai fait les frais. C'est que tout simplement dans la descente, quand vous êtes à vide, pas de problème, mais quand vous remplissez la cuve vous emmène le 4x4 dans la flotte hein, en fait. Hein. Donc ne faites pas la même connerie que moi. Voilà, là on va à gauche tout simplement. Là vous continuez tout droit. Et ici vous pouvez remplir l'eau. Voilà, parce qu'ici ça descend, ça a été vraiment fait pour tout simplement. Que là-bas c'est tellement raide personnellement que j'essaierai même pas avec un tracteur de 1000 chevaux, j'essaierai même pas quoi. Ok, donc là on vous a montré ça. Bien sûr, je me paye mon arbre. C'est parti. Allez, tourne mon Jeannot. Hop. Se mettre en vue intérieure. Donc c'est vrai qu'elle a des textures assez sympas. Peut-être niveau des céréales pas aussi poussées que l'autre. Mais niveau de la paille et de l'herbe, c'est vraiment super beau à voir, hein, franchement. Donc là, vous pouvez voir qu'on est donc de retour à la ferme, tout simplement.
Donc là, on vous a présenté vraiment la map en elle-même, hein, tout simplement. Allez, on va descendre. On vous a présenté vraiment la map en elle-même. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc maintenant, ce qu'on va faire avec JB, parce que on va dire que nous, on s'est tellement fait avoir avec des maps qui paraissaient bien, qu'on a testé, que finalement, on s'est rendu compte qu'elles étaient vraiment, vraiment moches et buggées, quoi, et vraiment pas du tout fonctionnelles. Du style, on avait vu une carte où il fallait, je pense, 15 jours en temps réel pour récolter des betteraves. Ouais, je pense que ouais. Ouais, Elle était tout simplement énorme, ouais. on était pas loin des 15 jours, je pense, perso. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il risque d'y avoir énormément de présentations de maps sur la chaîne et de mods. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je trouve qu'au niveau des mods qui sortent et des maps, c'est pas encore vraiment ça. Mis à part celle-là, la Hoggenbar, la Holzhausen, qui était vraiment magnifique aussi. Il n'y a pas trop de choix pour le moment. Et comme ça, au moins, quand vous regarderez la vidéo, vous pourrez être sûr de télécharger la map les yeux fermés, tout simplement. Parce que si je vous présente une map, c'est qu'elle est bien. Si je la présente pas, c'est que tout simplement, c'est pas la peine, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, bah écoutez, moi j'espère que cette présentation de map vous aura plu. Donc, comme toujours, le lien sera donc dans la description de la vidéo. Et puis, bah, on se dit à très bientôt pour un épisode de carrière suivie sur cette carte-là. Allez, salut tout le monde! Salut à tous.